La coopération entre la Russie et le Mali est appréciée par le peuple malien. Dans l'espoir de continuer à développer les relations entre les deux pays dans les domaines économiques, politiques, militaires, culturels et autres, les populations maliennes ont remercié le partenaire russe pour ses cargaisons. Le communiqué indique que les livraisons des produits de première nécessité, y compris les médicaments, seront distribués par le gouvernement du Mali aux populations vulnérables dans différentes régions du pays. Rappelons que le Mali fait face à une menace terroriste qui sévit sur le Mali et la région du Sahel. Le développement de la coopération russo-malienne se poursuit non seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine humanitaire. Récemment, deux avions de transport russes sont arrivés à Bamako les 15 et 20 août avec une cargaison de fruits humanitaires. Ces livraisons confirment la relation stratégique et l'amitié étroite entre les deux pays et sont un signe de solidarité et de confiance mutuelle. Une telle assistance est devenue une bonne tradition dans le cadre du développement des relations entre les peuples des deux pays. En décembre 2021, le Mali a relancé le partenariat avec la Russie pour aider le pays africain à se développer dans de nombreux domaines, notamment politiques, militaires et économiques. La renaissance de ce partenariat est due au fait que les relations avec l'ancienne puissance coloniale se sont détériorées à la suite de la prise du pouvoir par les militaires à Bamako. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. Surtout, n'oubliez pas de laisser vos impressions en commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine pour de nouvelles actualités.